La question des coopérations est importante pour nous. La coopération, ça veut dire travailler avec les musées et les pays qui sont à l'origine de ces œuvres. Bon, le territoire est vaste, nous ne pouvons pas non plus multiplier le nombre de coopérations. Pour l'instant, en tout cas, nous avons mis la priorité sur trois coopérations. L'une avec le musée d'art islamique du Caire, qui est aussi l'un des grands musée d'art islamique dans le monde, l'autre avec l'Iran, parce que la grande majorité de nos œuvres viennent d'Iran, et puis nous avons aussi la chance de mener des fouilles archéologiques dans l'oasis de Boukhara sur la route de la soie, puisque la route de la soie fait partie aussi de cette aventure culturelle et artistique évoquée ici au département. Ce programme maintenant que nous développons depuis 2 ans, qui consiste effectivement, face à la destruction massive du patrimoine du Proche-Orient, en tout cas en lien avec les conflits récents et actuels de cette région, effectivement nous ont amené à réfléchir à ce que peut être notre contribution dans cette mémoire, ou en tout cas dans cette tentative de préserver cette mémoire détruite matériellement. Et donc nous menons effectivement ce travail de recensement des archives scientifiques menées depuis le 19e siècle par les archéologues, les architectes, les historiens de l'art sur les monuments islamiques du Proche-Orient. Cette exposition qui aura le joli titre de l'Empire des Roses, pour reprendre la formule iranienne du Golestan, qui est le Versailles des Qadjars, valorisera en effet, et je pense sera un événement important, pour évoquer cet Iran moderne du 19e siècle, cet Iran qui s'ouvre à l'Europe, qui s'ouvre aussi aux arts européens, à la photographie et au cinéma, et cet art sera donc évoqué à travers cette exposition qui ouvrira fin mars au Louvre-Lens et qui réunira les plus grands chefs-d'œuvre, y compris d'Iran, nous espérons en tout cas du palais du Golestan. Alors, il ne s'est pas réfugié dans un zoo quelconque, mais il se prépare à prendre la route d'Abu Dhabi, puisque nous sommes fiers de contribuer au rayonnement des arts de l'islam dans le futur musée du Louvre Abu Dhabi, en y prêtant notamment ce chef-d'œuvre du département. Et donc, il est dans sa caisse et il attend de décoller pour Abu Dhabi. Les arts de l'islam seront présents dans plusieurs endroits de ce circuit et de ce parcours d'Abu Dhabi qui, comme vous le savez, est la création d'un autre musée universel du Louvre. Et ce musée universel d'Abu Dhabi aura comme vocation d'évoquer cette histoire globale. C'est l'universalisme au sens de l'histoire globale. Et donc l'Orient, et notamment l'Orient islamique, participera à l'évocation de ces différents thèmes qui peut être la route de la soie, la route de l'encens, en tout cas montrera dans chaque évocation de ces grands échanges internationaux la place qu'occupent effectivement les différentes cultures du monde islamique. Alors c'est ici sans doute le chef-d'œuvre du département, en tout cas l'un des plus connus. C'est une boîte, si on veut employer le mot le plus simple, une boîte en ivoire qui est sculptée dans une seule défense d'éléphant. Il suffit de la regarder pour mesurer l'exploit technologique, puisque outre le fait d'avoir
une vraie ronde bosse quasiment, puisque cette boîte est cylindrique et tient compte de la forme de la défense. Ce qui est fascinant, c'est que c'est une véritable bande dessinée. Nous sommes à Cordoue au Xe siècle. Cordoue est alors un des grands centres du pouvoir islamique, en concurrence avec le pouvoir central dont la capitale est à Bagdad. Et il est intéressant de voir que cette boîte, qui est destinée au futur prince régnant de Cordoue, le prince Al-Mourira, dont le nom est inscrit sur cette boîte, bah finalement, cette boîte qu'on lui offre raconte son propre destin ou sa propre histoire, puisque on peut voir tout autour de la boîte des scènes de deux jeunes hommes qui semblent être en concurrence dans diverses scènes, je dirais, réalistes ou imaginaires, de chasse, de musique. Le message est essentiellement un message politique, donc nous sommes aussi dans un art politique qui est destiné à valoriser le prince, le futur prince de Cordoue, qui, dans la succession au trône, doit l'emporter forcément par rapport au jeune prince de Bagdad. Et c'est autant une rivalité politique qu'une rivalité déjà religieuse dans le monde islamique, puisque la cour de Cordoue, fidèle à la dynastie Omeyyade, de tradition sunnite, s'opposera politiquement à cette dynastie de Bagdad, qui, elle, est plutôt de confession chiite. Voilà, donc c'est une œuvre à la fois magistrale sur le plan artistique et technique, et puis fascinante sur le plan historique et politique.